Au nom de l'inspecteur d'académie, M. Cherfay Ampéché, c'est un honneur et un plaisir pour moi aujourd'hui de célébrer, à l'instar de la communauté internationale, la Journée des droits de la femme, qui est placée cette année sous le thème donc pour le MEFPAI, la promotion de l'accès des filles dans les filières techniques et industrielles et l'autonomisation économique des femmes dans la formation professionnelle technique et l'apprentissage. Alors, je voudrais donc, au nom de Monsieur l'inspecteur d'académie, réitérer notre engagement en tant qu'institution, notre ambition d'accompagner les centres de formation professionnelle de Ziguinchor de manière générale, d'accompagner les femmes et les filles, mais aussi tous les apprenants de ce secteur, pour atteindre ensemble les objectifs donc. En cette journée qui honore les femmes, je ne peux m'empêcher de saluer aussi l'engagement de toutes les dames ici présentes et celles qui ne sont pas là, de toutes les femmes de l'inspection d'académie de Ziguinchor pour leur rôle et leur engagement dont elles font montre tous les jours pour nous permettre donc d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés au niveau, tant au niveau de l'enseignement général que l'enseignement professionnel. Monsieur le directeur de cabinet, nous vous remercions et nous réitérons nos félicitations à votre ministère pour tous les efforts consentis pour accompagner Ziguinchor à travers les différents projets qui sont passés par là. Mais il faudrait souligner aussi qu'au niveau de Ziguinchor, nous avons donc 13 structures professionnelles avec le lycée technique agricole Émile Badiane. Nous avons le CFP de Oussouye qui a eu un délibéré donc de 3 hectares, mais dont les travaux tardent à démarrer. Nous avons aussi d'autres centres qu'on doit réhabiliter, notamment le CFP de Tendouk, le CFP de Koubanaou et le CFP de Tionkessil. Nous avons aussi le centre départemental, le CFP de Oussouye, dont j'ai parlé tout à l'heure, et ça nous tient vraiment à cœur parce que c'est le seul centre de formation départementale de Oussouye dont les travaux tardent à démarrer.